Voilà, elle est belle. Et on va commencer à fouiller un petit peu tout cela. Notamment, qu'est-ce qu'il y a dans cette caisse? Un peu d'or, c'est tant mieux. Alors, on a une porte. On a une porte. Une porte qui nous amène sans doute vers une pièce ici. Qui nous ramènera ici. Du coup, je vais faire le tour. Du coup, ça va être quoi? Parce que je vais faire tac, tac, tac. Faire le tour pour vérifier la sortie là et cette zone là. Et ensuite, je ferai ben, le tour là. Je vais finir par la porte. Je vais faire la sortie si j'y pense. Et bien, pour l'instant, tout se passe selon un plan rodé. Voilà, rodé. J'ai envie de dire ce mot. Là, qu'est-ce que nous avons? Nous avons un loup sanguinaire qui va devoir, hélas, décéder car il garde une pièce et un coffre surtout. Alors, ce loup, bien sûr, peut-être espèce en voie de disparition, mais cependant superbe bien modélisé, qui est décédé, hélas, dans son caca. Et là, c'est un sarcophage que je pense, vous avez deviné, crocheté et piégé. Et la dernière fois que j'ai ouvert un sarcophage, une malédiction s'est abattue sur ma gueule. Et ça, c'était pas cool. Mais pour l'instant, tout va bien. Du moins, j'espère. Alors, nous avons une cape de protection. Une cape magnifique avec plus 1 à la parade. Ah, du coup, je l'ai mal senti. Ah, du coup, je ne sens plus rien. Ma cape d'elfe qui me donnait un bonus de plus 10 à discrétion, et eh bien je la garde. Bien, nous allons passer à la seconde porte. La seconde porte, là, c'est lucide. La porte qui me dévoile rien du tout. Si un gobelin qui a pop, peut-être un second gobelin. Alors, des gobelins, non, alors attention, des gobelins d'élite. Des gobelins d'élite, petite peste, dégueulasse. D'autant que j'en ai vu d'autres. Du coup, il va falloir déverrouiller le coffre. Toujours discrétieusement regarder ce gobelin qui n'a rien vu. Il ne comprend rien à sa vie. Hop, on le chope. Et là, le gobelin, il est tout seul. Nous allons pouvoir le décapiter peut-être dans un critique incroyable. Une attaque d'opportunité. Regardez, il se barre. Magnifique. Regardez cette attaque sournoise de 31 dans le dos. Personne n'a bité ce qu'il se passe à part ce chaman qui m'a honteusement hébété. Alors évidemment, échec de mon jet de volonté. Un recovery de PV sur ce gobelin d'élite. Donc il va falloir décéder ce personnage dans un premier temps. Il va falloir donc le faire décéder. Regardez ce 10 points de vie bien placé. Ce 12 qui suit. Il s'est remis des points de vie, mais ce 35 l'achève. Et là, c'est un combat infernal et effréné qui s'engage entre Yann Black et ce gobelin d'élite. Et ce critique à 18 qui perce la défense. Un critique magistral, comme il est apparu plusieurs fois dans certains combats. Voilà, et le 9 qui est sorti. Alors là, toujours la furtivité, regardez bien, parce que, attention, il y a un gobelin, deux gobelins, trois, quatre, quatre gobelins. Mais ce 35, voyez-vous, m'accorde un certain bonus directement. Là par contre, il y a trop de gobelins. Peut-être est-ce le combat de trop. Alors, s'occuper des gobelins, gobelins ayant peu de vie. Là, utilisez, hop, ce gobelin qui décède. Suivi de près par ce gobelin ici, et nous entrons à deux gobelins d'élite. Le moment pour une potion. Oh,
Voilà, alors attention, là c'est les strats qui sont passées. Voilà, le critique. La manipulation pour obtenir le critique. La save lucide. Tout est optimisé dans les moindres détails. Attention, hop là, on fuit, on retourne. Et, ah, il esquive l'attaque. Ah, ça combat bien. Que le sol vous engloutisse. Ah là, c'est un combat d'affirme. Oh, le 6 qui s'est enfin montré. Et le 8 final de cet affrontement incroyable. Seulement, il va falloir maintenant se reposer vite. Là, c'est magnifique. Donc, on a à peu près toute la zone sud qui est faite. On va attaquer toute la zone est et après toute la zone ouest et puis on sera bon. Moi j'y crois toujours à mort. Il faut un place cependant. Vous voyez, ce gobelin m'a dit que je n'avais pas fini du tout cette zone. Donc là, ah là là, le 20, il résiste au 20. Heureusement un gobelin apparaît, ce n'est pas un gobelin d'élite. Et là, hop là. Donc je vais vite fait voir où mène cette sortie. Parce que je suis curieux et je suis sans doute perdu par la même occasion. Je suis sorti. Ok, ça mène là. Très bien. Bon. Ouais, bah non, en fait je vois pas du tout. D'ailleurs il fait nuit là où je suis, étrange. Il y a un système genre nuit dans ce jeu. Ce sera la première fois que je l'apprends. Donc là, on va aller de... Attention. Ah, il y avait une porte. Une porte qui cachait l'accès à cette zone. Avec, bien sûr, des gobelins. Gobelins d'élite. Mais nous allons nous attaquer aux gobelins normaux dans un premier temps. Et là, j'ai vu le chaman gobelin, voyez-vous. Le chaman gobelin qui se caractérise par son bruit de sort en préparation. Et qui peut healer ses compagnons. Et les gobelins qui sont certes faibles mais quand même dangereux. Et là c'est reparti pour les combats ultra longs. Ah, le critique sorti. Ah là, les coups sont augmentés, on dirait. Yann Black aurait-il retrouvé une force et un focus tant espéré par le joueur? Tant de questions. Alors attention, Yann Black qui va essayer un renversement. Un renversement technique très utile. Oh, la cible a résisté au renversement. En même temps, on ne peut pas être plus près du sol que celle-là. Le renversement qui échoue. Renversement qui a un pourcentage d'effet quasiment nul. Mais qui, dans un élan de RNG hasardeux, peut changer la donne d'un combat. Oh, un livre. Il va être les grandes batailles des tribus orques. Ben, on va vous laisser lire. Alors bien sûr, pour ça, il faut mettre la pause. Alors là, il y a une porte. Je pense finalement qu'on va changer de plan et qu'on va pas tout faire dans ces galeries avec que des gobelins, c'est pas super intéressant. Donc là on va être en furtivité. On va ouvrir la porte et nous avons un gobelin, deux gobelins.
deux gobelins, dont un d'élite, qui garde une caisse. Alors regardez ce gobelin qui est en train de... qui est mort dans sa chiasse, mort dans son sommeil. Et ce garde d'élite qui s'est fait honteusement démonter la gueule en un seul coup d'épée. Coup d'épée qui lui aura mis que 14. 14 de dégâts. La potion que l'on attend tous. Donc là, on sort, on remonte vers le nord, voilà. Et on va descendre tout de suite au sud. Le sud, meilleur endroit. Non, dégage, va te faire foutre. Alors pourquoi j'ai un drop ici? Qu'est-ce qu'il s'est passé? Pourquoi ai-je raté un drop? Quel est le pourquoi du comment de nom de Dieu? Aurais-je tué les gens? Je pense que j'ai tué les gens. Alors nous voici devant la porte. Ah, j'espère que ce commentary en live vous impressionne. Alors là, nous avons 1, 2, 3. Oh, nous avons un chaman de gobelins. Oh là, nous avons... Alors là, voyez-vous, c'est le boss final des combats de gobelins. Il y a des gobelins qui sont nus et d'autres qui sont pas nus. Donc nous allons commencer par ce gobelin d'élite qui est décédé dans sa chiasse dès le début par une attaque sournoise. Et un chaman gobelin qui résiste plutôt bien. Un chaman gobelin qui fait un sort de soins de vie achevé par un 37 de dégâts. Donc un sort qui n'a servi hélas à rien pour lui. Alors là, je me fais démonter mon cher Patrick. Attention, une potion de soins majeur utilisée. Et un combat contre un gobelin d'élite, ma foi, assez résistant. Je me fais enchaîner. Alors la potion de soins intensif, la potion qui peut tout sauver. Va-t-on assister au décès de ce gobelin d'élite? Toujours pas, il résiste. Oh oui, le double hit. Un double hit incroyable. Un critique à 17 qui one-shot ce gobelin. Et nous pouvons actuellement constater sur le plan qu'il y a quelque chose ici. Serait-ce un passage secret? Un mur? Ah non, c'est simplement une porte que j'ai mal vue. Alors là, c'est serré, c'est très serré. Ils sont tous les deux sérieusement blessés. L'épée contre le poignard. Qui va gagner? Et c'est l'épée avec sa longue allonge et ses dommages plutôt importants qui l'emporte. Je suis en train de m'éclater tout seul à faire un commentary d'exploration de grotte parce que ce RPG est peut-être énorme, mais il est vide. Je suis à... Putain, je crois que je vais monter mon level juste en tuant du gobelin. Ce serait complètement incroyable. Et là, c'était... Oh, voilà. Des gobelins qui gardaient la porte. Qui gardait ce petit monceau de salle. Le résistance à un critique de ce chaman gobelin. Voilà le décès du premier gobelin élite. Est-ce que le second est aussi... Ah non, il a plus de points de vie celui-là, j'ai l'impression. Allez, le décès qui va bientôt arriver. Ah,
Alors ça c'est petit, vois-tu. C'est très petit. Ah, il a tenté le renversement, il l'a pensé, mais l'épée a été plus rapide que la pensée et le décès était là. Donc en fait, je pense que je sais ce que je vais faire. Je vais cligner la zone là, me TP ici, faire une ellipse et pour reprendre potion, vendre tout mon merdier, peut-être m'acheter un meilleur équipement et puis on sera bon. Voilà. Alors là, qui est. Wouah! 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 Il y a un roi gobelin! Alors là, vous vous souvenez que. Déjà que les orques étaient chiants, mais là, ce sont des gobelins. Là, il y a un coffre avec un loot. Ok. Attention, ça va aller très vite. Hop là, la fuite d'un homme qui referme la porte. Et Ben, le premier. Renversement touché par un chef gobelin, putain. Alors c'est parti, combat contre le chef gobelin. Combat incroyable. Un chef gobelin qui, comme vous le voyez, possède une Morgenstern. Une arme très efficace et qui peut faire un double hit, comme vous pouvez le voir. Ah, ça enchaîne, c'est incroyable. Un combat d'anthologie. Et un renversement qui touche parce que ces boss, comme on va les appeler, ont un pourcentage de chance de toucher qui dépasse l'entendement, mon cher Patrick. Bon, là par contre ça va être long, donc on va tricher. Là on va complètement tricher. Je vous l'ai dit que ça, qu'on allait tricher. Et là on commence. On commence et le jeu ralentit. Ah là là. Ça doit être le record qui doit ralentir. La deuxième attaque qui ne touche pas. Alors ça, voyez-vous, quand ça arrive, c'est très contraignant. J'ai envie de dire que c'est chiant. Oui, j'ose le dire. Je peux même le répéter. Donc là, je vais essayer d'y croire à mort. Voilà, alors dans son deuxième. Ok. Non, mais ouais. Mais comme tu veux. Donc là, ça va être extrêmement long. J'espère que vous plaisez quand même. Je ne sais pas si j'ai une petite anecdote à raconter en attendant. Oh, le 23, incroyable. Et sans, alors, le renversement 1, on accepte. Ah, le renversement qui touche. J'étais complètement dans le mur. Ah, j'absorbe quand même un point de dégâts. C'est pas rien, les mecs. Ouais, mais je prends tellement de dégâts que je ne sais pas où j'en suis. C'est l'armure de cuir plus 2. Ah, le Sirius bleed. Le Sirius blessé. Et non pas le Sirius saignement.